Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'édition de Alain Tivandière. Ici Patrick Ediancy. Nous sommes contents de la CAIO. On fait un petit coup de pied sur cette actualité dans le pays d'Haïti. Haïti est toujours en lambeau. Haïti est toujours dans une situation difficile. La politique là, il n'y a pas le mangal. Mais il y a un pile de protestations qui a fait, surtout dans la zone tabac, où la police a fait action bossale. Bah, gaz lacrymogène sur des centaines de familles, grand monde, petit monde, qui ont même fui la terreur des bandits, qui ont réfugié devant le local ambassade américaine en Haïti. C'est vrai, sur l'espace qui doit protéger, il n'est pas normal que Mounio aille devant, mais la police est capable d'utiliser un comportement plus humain pour demander Mounio déplacer. Et là-bas, le gaz lacrymogène à Gamoun, à Timon, est compliqué et il a des conséquences graves sur la santé Mounio. Donc, c'est des gens qui sont traumatisés à cause de bandits qui chassent à cause d'armes automatiques qui font quitter la zone, des gens qui sont réfugiés dans leur propre pays. Et c'est dans ce sens, au niveau de la mairie de Delma, de Tabar, il y a une disposition qui prend pour mettre Mounio logé dans le lycée, en lycée public, mais pas vraiment gagner logistique pour accueillir grand monde, petit monde, jeune monde. Son situation miséreuse. Nous remarquons que c'est le temps, la police rentrée, la police pas présente dans la rue encore. Charles Blendé qui était dans l'opération et tourne de là, pas aucun résultat. Même mon petit sourit n'est pas accouché. La population est venue exposée à fureur bandits qui te prend un petit repos, qui était caché, qui était entré dans le trou, dans l'opération opération 24 avril là, 24 avril, côté que bandits étaient interceptés sur route Canapé Vert et la population a lancé l'opération Bois-Calé. Depuis après, le mouvement ça a baissé, les bandits sont plus arrogants, le kidnapping a commencé et il a fait balle chanter toute la journée. À nos côtés, quelques monde qui t'ont pu même témoigner de réalité ça, qui t'ont exprimé le bon tout, dans l'occasion, la police a fait intervention dans la zone de tabac. Gardez Pep Pitié, gardez Pep et du monde. Bandit choisi, mettez-le dehors, gardez côté au vini réfugié. Qui j'en nous senti nous, le monde? Qui j'en nous senti nous, diaspora? Nous-mêmes, nous avons côté dormi. Si la pluie tombe là et là pour mouiller, et là pour passer tout le temps. Nous avons mis un petit calpensé dans la tête nous pour nous dire l'offre de la population mal. Qui garantit que nous ça? Qui bien ça fait pour vous? Qui bien ça fait pour vous? Nous ne pouvons pas faire rien dans ce faire. Les gens qui kidnappent les gens qui ont demandé des dollars. Est-ce que les pays là sont pays dollars liés? Écoute, c'est l'avenir qui est côté de dollars. Je suis en Brésil, je suis en Brésil. C'est dans le contexte ça, on a continué à faire un petit coup de sur Haïti qui probablement une réflexion qui a fait demain vendredi sur 100 à l'année, 108 l'année depuis que Blaise a été débarqué en Haïti. 28 juillet 1915, 28 juillet 2023, ça fait 108 l'année depuis que Blaise a été américain débarqué en Haïti. Plus passé 3000 marines débarqués dans Port-au-Prince sous l'ordre du président Woodrow Wilson qui était débarqué pour aller mettre contrôle dans le pays, un pays qui était économiquement et financièrement en désordre. C'est un prétexte par rapport à justement un ensemble d'enjeux qui étaient gagnés. Côté que c'est vrai, tu as gagné stabilité. De 1911 à 1915, tu as gagné 6 changements dans la présidence du pays, qui était émaillé de l'assassinat politique avec exil forcé. Bref, les États-Unis étaient venus pour mettre l'ordre dans le pays, première action occupée pour le poser. En août 1915, ils ont nommé Sud d'Artignave, ils ont président pour Pétrel, qui lui-même était soumis à tout ça américain qui a demandé. Le 14 août 1915, le gouvernement américain imposait une convention dans la Chambre des députés, document qui était soulevé en pile protestation, en pile réaction. Il était voulu contrôler les finances avec douane pays d'Haïti. Il y a une grosse réaction de côté des députés.
convention ça il pas arrivé faire unanimité mais elle t'est imposée quand même t'ai un tour une autre imposition par américain yo une nouvelle constitution qui t'est venue imposer un ensemble de droits que étranger doit gagner dans pays parmi action occupant même yo de faire yo t'est imposé la corvée forcer mon al travail dans plantation forcer mon al travail dans usine pour capable faire produit mais aussi tout dans construction. Pour nous connaître plus et une petite réflexion sur les affaires occupation américaine, il y a un auteur haïtien qui écrit un pile livre sur la période ça. Nous parlons de Roger Gaillard, qui lui-même a expliqué dans l'émission qui était passée en Haïti sur le contexte occupation américaine là, et qui responsabilité de l'État haïtien dans la période ça. Moi, en tant qu'appartenant à la classe aisée des nantis, pour moi, en tant que partie prenante du leadership de l'establishment national, eh bien je crois que pour nous de la bourgeoisie haïtienne ça a été une gifle, ça a été une honte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant 1915 nous avons été incapables nous-mêmes de résoudre les problèmes, de résoudre les tâches bourgeoises à l'échelle de la nation. Quelles sont les tâches bourgeoises à l'échelle d'une nation, dans une république bourgeoise? Eh bien, ces tâches sont bâtir des routes, construire des hôpitaux, des écoles. Ce n'est pas des tâches révolutionnaires, ce n'est pas des tâches socialistes, c'est des tâches bourgeoises. C'est avoir une armée, c'est avoir une administration saine, comme les grandes bourgeoisies ont eu, ont bâti dans leur système, ont bâti ces institutions. Et en 1915, nous n'avions ni armée, nous n'avions pas d'administration, nous n'avions pas de route, nous n'avions pas d'hôpitaux. La faute à qui? Mais la faute à nous, de la bourgeoisie, des bourgeoisies, noires et mulâtres, du nord et du sud, des bourgeoisies, les uns s'appelaient bourgeois, les autres les militaires, pour distinguer les deux ailes de la bourgeoisie. C'est notre faute. Nous avons été incapables, avant 1915, de remplir nos tâches historiques bourgeoises. Et l'occupant l'a réalisé. Et alors, quand l'occupant est venu, l'occupant s'est substitué à nous, classe dominante, pour exécuter, pour nous, classe dominante, les tâches qui nous étaient incombées, que nous ne pouvions pas faire, bâtir des routes, quelques écoles, des administrations saines, etc. Autrement dit, il ne faut jamais oublier que l'occupant, les États-Unis, n'ont pas donné un centime à Haïti, de ne pas donner un cadeau, un centime à Haïti pendant les 19 ans de l'occupation. L'occupant a donné un coup de coude, nous a donné un coup de coude, à nous, bourgeois haïtiens, à nous de la bourgeoisie haïtienne, nous a donné un coup de coude en nous disant « ôte-toi de devant le bureau, je vais gérer à ta place ton pays, tu en es incapable. » Avez-vous pour autant honte d'être haïtien? Je n'ai pas honte d'être haïtien. Je suis triste d'être haïtien, à certains moments. Triste d'être haïtien, ça veut dire quoi? Ça veut, par exemple, dans l'arrière-pays, dans le plateau central, où je suis allé interroger, excusez-moi, je dis, nos frères paysans, mais je vous prie de croire qu'il n'y a pas, que je dis nos frères sans vanité, que je suis allé interroger nos frères paysans, sur la corvée, sur l'occupation américaine. Je me rappelle que l'un d'entre eux, après m'avoir expliqué tout ce qu'il avait vécu, j'étais épouvanté. Et je lui ai dit, mais comment on fait subir un mariage comme ça? Et il m'a répondu par cette phrase déchirante. Et si simplement, il m'a dit, où qu'on est? Haïtien pape Mati. Haïtien pape Mati. Et bien, il n'y a pas de quoi être triste en entendant une telle phrase. Et cette vieille chanson que j'ai lue dans un vieux journal haïtien au moment du départ du premier exode des Haïtiens en 1919, ce départ, ces gens qui allaient à Cuba couper les cannes parce qu'il y avait des industries sucrières qui se développaient là-bas. Et dans un journal, on dit, nous avons entendu l'un d'entre eux chanter cette vieille chanson africaine. Malheureusement, je n'ai pas la musique, je me rappelle les paroles de tête. Cette vieille chanson Sur des airs africains, sur un air africain. Cette vieille chanson qui dit « M'ap tounel en Congo, m'ap tounel en Guinée, pays à pas pour moi, m'ap quitté pays à pour yo. » Yo, c'était qui? C'est nous. C'est nous.
les privilégiés. Alors, quand je vois, je ne veux pas faire de discours politique, social et révolutionnaire, mais quand même, écoutez, tu m'as demandé si j'ai honte d'être haïtien. Je n'ai pas honte d'être haïtien, mais ça me fait de la peine à certains moments. Voilà, où il y a des noms davantage sur le contexte de l'occupation américaine, la responsabilité de l'élite haïtienne qui même qui était fait bec à terre. Il y a une élite qui est considérée comme une élite répugnante ici aux États-Unis. Et il y a environ 11 000 personnes qui mourent, d'après Suzy Castor, qui écrit sous période de guerre américaine. Non? Et après, en pile résistance qui était faite, Blanc était obligé de quitter le pays. Le 19 septembre, il était quitté le pays en 1934. Mais il était prêt à le tourner le 19 septembre 1994 pour amener Aristide Tourné. Il était dit amener la démocratie à Tourné. Aristide qui était en exil pendant 3 ans. Blanc va le retourner encore. En 2004, la bataille GNB avec Lavalas, et là, l'autre donne la question pour le ministère qui parle de pays. Et justement, il y en a qui dit que les États-Unis ont une influence certaine sur les affaires économiques et politiques du pays. Mais les gens qui sont élus, ils ont bénédiction de Washington avant qu'ils prêtent serment. Au sort de la télévision d'hier, la propose, on tourne tout à l'heure. Vous êtes toujours sur LNTV On The Air. Nous parlons un petit peu d'histoire avant que nous entrions dans ce qui concerne nous beaucoup plus sur l'actualité à niveau communauté. Nous connaissons que il y a 108 ans l'année de cela depuis que les troupes américaines ont débarqué dans le pays d'Haïti à l'initiative du président Woodrow Wilson. Et là, prétexte, c'était pour mettre l'ordre dans le pays qui était instable. Prétexte, c'était aller essayer de refaire une concession pour le pays, mettre un ensemble de disciplines au niveau du pays qui était en désordre. En 6 ans, il y a un ensemble de chefs d'État qui étaient assassinés, qui étaient morts, qui étaient exilés, qui étaient tout, qui étaient obligés de chasser les pays. On a un petit peu rappelé le contexte et où est tout qui s'en a tiré comme leçon de la première occupation américaine du territoire de 1915 à 1934. Nous avons avec nous sur le plateau Mme Nadine Holman qui pourrait parler avec nous justement d'un sujet particulier, mais on a tout engagé la conversation. 108 ans après, un peu le monde a dit que les États-Unis qui étaient en prêt. Et la domination américaine, elle vient pour en plus envergure à partir de 1915, ça vous dit? Moi, je pense que ça, c'est une réalité qui est vraiment. Mais, prétexte, c'était pour être entré pour te dire c'est l'ordre de tape, mais ce n'est pas ça vraiment. Parce que les Américains toujours les gagnent intérêt li, que la défendent. Parce que tu as un monde qui a un business, une série d'Américains qui a un business en Haïti, et que ils ont entré pour défendre. Intéressant. Ce n'est pas une question de peuple haïtien ou quoi que ce soit. So, occupation, dans toute occupation qui est toujours gagnée, et il y a des gagnants qui perdent. Et que, qui est-ce qui perd? C'est toujours le peuple là qui perd. Parce que l'œil au final est toujours gagné des ordres. Et récemment, le en Haïti, après le tremblement de terre, là, il était fait une sorte de, si tu veux, entre guillemets, occupation. Ministre, tu es foncé de abus, et nous connaissons choléra. Pas existé en Haïti, c'est les Nations Unies et surtout le pays qui est le Népal qui est venu avec problème ça. Et que pas jamais dit excusez ou ni fait aucune chose pour montrer Toyo, pour rectifier Toyo. C'est ça. Maintenant, sur l'occupation américaine, nous avons songé effectivement des perturbations sur le terrain, mais il y a un prétexte géopolitique, des prétextes justement intérêts américains ou dans la zone, dans le tout, en façon pour expulser Allemands, d'autant que Allemands étaient pratiquement partenaires privilégiés pays d'Haïti avec un commerce qui était très, 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 un commerce très florissant. Maintenant, un peu de monde pensait que
ça américain quitté dans pays à comment legacy de l'occupation américaine c'est les n'a vivre je dis là par rapport à bien traitement de poids de mesure que vous faites par le traité pays d'Haïti par le traité d'Iranio même si vous pas en Haïti en personne mais vous avez des laquais qui a défendu l'intérieur dans pays à. Bien sûr mais faut voir que diaspora pas fait de voile d'eau diaspora et bon il y a des Haïtiens depuis des siècles et des années qui aux États-Unis, parmi lesquels, par exemple, et y a une grande société, parce que c'est New York, pas fait en Haïti, moi-même, mais fait aux États-Unis. Mais dans l'année 46, il y a des Haïtiens qui sont entrés. Et que eux-mêmes étaient focus plutôt, ils parlent la caille, Et qu'ils ne se rendent pas compte que pour être mobilisés, organisés, prendre un exemple, et un peuple qui est très puissant, c'est le peuple juif là. Ou pas qu'à dire ou pas le fait Israël X, Z, Y sans que diaspora pas dit un mot. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, il faut que nous prenions responsabilité, nous organiser la communauté noire. Parce que c'est soit que vous avez l'argent ou vous avez voix. Voix pour voter. So, nous avons un peu de monde qui a un passeport américain et puis ils juste dit ah, nous avons fait un an, deux ans en Haïti. Yo pas ouais que si que yo pas exercice de voix vers et législature américaine là pas vraiment jamais un changement. Vous voulez dire que faut impliquer davantage, faut engager davantage, faut organiser tout. Oui, parce que une concern que nous gagnons c'est que diaspora haïtienne n'est pas organisée. Non, pas du tout. N'est pas organisée et que et surtout et peuple haïtien surtout les just focus et porter attention seulement le gain élection présidentielle. Et que c'est pas ça. Il faut que vous organisez autour de toutes les élections qui vont être faites. Parce que toute bagarre affectée, regarde, l'année passée, c'était l'élection gouverneur. Et que regarde, je ne dis pas, tout le monde voulait aller en way pour Ron DeSantis, mais côté noté. Parce que c'était clair côté bagarre à parler. Et que dans Dade County, et le Broward, masse, le peuple n'a pas sorti. Maintenant, l'opposé problème d'organisation de la diaspora, si nous prenons bon, ici à Mamie de Kanti en particulier, nous avons un Haïtien qui est élu dans la position municipale au niveau local, un Haïtien qui est venu dans Tallahassee, nous avons un grand Haïtien qui est élu au niveau fédéral dans le Congrès. Est-ce que vous pensez que si vous faites un. Comme ça, on a dit là, un. Focus group, yo chita, yo planifie les bagailles, yo capable de mettre un calendrier, créer un agenda et aller discuter avec les soirées démocrates, républicains, puisque quand même, nous ne sommes pas capables de mettre tout dans ce panier. D'accord, ça, mais il faut voir que d'abord, il faut que vous relevé un nombre de listes de monde pour montrer quoi de pouvoir y est. Par exemple, okay, prenez le cas de Cubain, yo organisé au niveau des institutions. C'est vrai, qui fait que vous avez regardé telle institution, il y a 50 000 personnes. Nous n'avons pas vraiment dit dans quelle organisation haïtienne, vous n'avez pas 50 000 personnes. Il faut inscrire, il faut engager, il faut dire même moins. One, parce que si vous avez dit, vous avez gagné 10 000 ou 15 000, il n'y a pas assez, c'est ça que fait. Le Congrès au niveau fédéral, c'est 535, si vous prenez 100 sénateurs avec 435. Et congressman bar, you know, petit chambre, non? C'est comme si haïtien, petit chambre, non? C'est 435 ou une graine. Il n'est pas suffi. Et que, pas oublier, une grande communauté haïtienne, New York, gain Boston, gain Miami, gain Indiana, Indianapolis, Indiana, une grande communauté haïtienne qui commence à évoluer. Il faut organiser, gain haïtien dans tous les 50 États, mais côté nous. Maintenant, qui momentum qui pour déclencher, qui dynamique pour nous mettre sous pied, pour nous peut-être permettre que Haïti ensemble regrouper et former une force, et même si ce n'est pas nécessairement une force électorale, même que des professionnels un peu partout, dans tous les niveaux, il y a un Haïtien qui a travaillé, que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a besoin d'un wake-up call pour mobiliser, pour dire à quelqu'un, mais quand est-ce qu'on veut aller? Oui, bien sûr, il y a ça. Mais un petit peu, la communauté, non, c'est des gens égoïstes, ils n'ont pas réfléchi. Il faut que, ouais, que, et je ne dis pas,
jeunesse là, qu'est-ce qui est jeunesse là? Jeunesse, c'est le monde qui est en bas âge de 30 ans. Mm-hmm. C'est jeunesse qui est dans l'université. Yo. C'est que faut nous créer des places pour que yo vini. Par exemple, et si que nous voulons et pour mon élu, c'est que OK, monde qui là qui sous pouvoir là, c'est pour pas penser qu'il va rester à vie. Ça c'est problème là. Et grand problème de organisation haïtienne là, que le monde n'a vini, il fait des années et que pouvoir arrêter sous lit et que pas bail jeune là en place pour le monter. C'est li important. Organiser pas gagner la relève. Oui, faut gagner une dynamique gain, une sorte de rotation qui a fait dans le leadership là. Exactement. Ça nous pas fait ça dans communauté haïtienne. Par exemple, si que ou t'es paré sous terrain, on parle ouais que c'était Intel, par exemple, Intel a resté au pouvoir toujours gagner organisation qui pas bon. So, journée aujourd'hui, il y a une bagarre Haitian American Democratic Club là fait et que c'est nous focus sur jeunesse là. Parce que moi-même, si je gagne des années sur le terrain, je commence dans la communauté haïtienne, j'ai un gros problème. Je n'ai pas de papier et que haïtien a une étiquette 4H là sous Dolly. OK? Donc, so, oui, nous montrer, nous mobiliser une première grande manifestation qui était gagnée en Floride là, c'est que l'on était dit, il n'est pas acceptable pour dire. Nous, c'est 4H parce que si nous gagnons, ça veut dire que Dominicain gagne tout. Mm-hmm. Parce que nous sommes là. OK? Donc, so, ce là, c'était. Et Dr. Fauci, que tout le monde connaît pour COVID, ben c'est là qu'il était en commencement. Il était en Floride, là. Okay. Dans le problème 4H, là. Il était là. Donc, ce qu'on sait de problème, c'est que nous, just sorti, par exemple, moi, j'étais très content, le Bishop Gregory Toussaint était sorti, il montrait bien le monde. OK, mais combien de monde qui est dans l'église, là, qui est inscrit dans l'institution pour voter? Yeah. Parce que si vous et magistrat, tout le monde ça, yo, même au niveau fédéral, le web, où qu'a mettre tant de peuple en l'arrière, est-ce que le peuple s'est inscrit c'est pour ça. Voter? Yeah. C'est ça. Pour nous finir, Nadine, nous connaissons que la crise haïtienne n'a pas envie davantage, au niveau tout à fait indécent. Haïtiens ont tant d'empire de diaspora. Ils ont compté que la diaspora est capable d'avoir une voix solide au niveau du département d'État, au niveau de Washington, pour permettre que on change le paradigme dans les gens États-Unis ou Haïti, dans la politique qui définit. Comment pensez-vous que la diaspora va bien rôle dans ça? Moi, je pense qu'au niveau des institutions, il faut que d'abord nous fassions un dialogue. Dialogue communautaire pour dire voilà le point. Par exemple, le problème que le département d'État a gagné, c'est parce que je dis, il a fait un sondage à X, mais Z dit m'a vle ça X vle. So faut nous entendre nous pas grand gens faut que nous fait compromis parce que pas grand ken plan qui parle parfait. So faut que nous font plan et que nous d'accord. OK, voici nous ca d'accord sur point ça. Et en avant, c'est pas OK, les 100% comme ça, les pas jamais 100%. So le gain au niveau politique, il faut que il y a des compromis. C'est comme ça. Voilà. Nous avons causé avec Mme Nadine Holman, qui est dans le Haitian American Democratic Club, et nous avons parlé justement d'engagement, de involvement dans la communauté dans les affaires pays d'Haïti. Et nous faisons ça en couverture de 108e anniversaire intervention militaire américaine en Haïti. De 1915 à 1934. Il va retourner en 1994 pour Aristide Tounen comme démocratie. Il va retourner encore en 2004 pour partir avec lui en exil. Et depuis le Sahara, pratiquement, pied sous cono, il est difficile pour nous prendre souffle. Nous avons une pause, nous avons tourné tout à l'heure.
bonjour, vous êtes toujours sur l'NTV en hier, on a continué Cosmano nous avec Nadine Holman. Et là, nous prenons le focus sur une importante rencontre, un forum qui est annoncé et qui lui est fait dans Jean-Juste Community Center en façon pour éclairer qu'on ait son ensemble de lois et racistes qui est prêt au niveau de la Floride. Et moi, bien content que la fête, la carrière à Jean-Juste, il y a un monde qui dégoume en pile pour droit réfugié ici, en Floride. Exactement. Et c'est, je pense que s'il était vivant, il t'a pris la relève, il t'a devant. Parce que, je me dis, là dans la communauté haïtienne, le que mon yon t'a prenkante, il n'y a pas de papier. So, ça encore, ou te gagne un aspect politique, ou te gagne un aspect et veille, te kon mette mon dans la rue, et then ou te gagne un père Jean-Juste qui était devant, qui te gagne un micro, qui t'a demandé revendication au peuple. So, gagne tout ça. Il y a besoin de tout le monde. So, je ne dis pas, si on a confronté SB 1718 là, qui gouverneur de Saint-Denis mettait, qui ont clairement raciste, il faut que nous-mêmes, en tant qu'un peuple qui dit c'est le premier pays qui retire l'esclavage de la caille, nous ne pouvons pas faire marche en arrière, il faut que nous fassions marche devant. Parce que, et je visitais plusieurs pays, par exemple, la Colombie ou Venezuela, ils ont montré que ça, Haïtiens, ont contribué à retirer l'esclavage de la caille. So, je ne dis pas, une grande insulte. Que gouverneur de Saint-Denis a dit avec un nègre Manny Diaz qui est cubain que le mettait comme commissaire éducation qui dit l'esclavage mon yo apprendre métier qui ca aider ça c'est une insulte, ça c'est craché dans figu moun. Non mais c'est dégueulasse. On était un petit peu manless quoi penser que on monde qui est dans situation d'esclavage. L'idée dans la situation, l'esclavage te font bien fait pour moi. En bas, ils ont bénéficié comme bien fait, lorsqu'ils ont une chaîne dans le pied, lorsqu'ils ont une bonne situation infra-urbaine pour vivre. Oui, exactement. C'était oppression. Et que son époque très noire, très vulgaire dans l'histoire américaine, pour jouer aujourd'hui, il n'y a pas l'apprendre si monde qui est impressionnant, qui est dans l'âge. 11 ans jusqu'à 13 ans d'âge, you know, la middle school, you pas commencer à dialogue ça, c'est pas possible. So, faut que nous-mêmes en tant que haïtiens, premier peuple noir qui était gourmé contre l'esclavage, faut nous rassembler nous pour nous mettre ensemble parce que ces jeunesses là, il y a pas affecté, c'est un travail de laver ses veaux, c'est mieux, qui pas bon. C'est manipulation qu'a fait. Nous connaissons que c'est politique idéale parce que on descend ici, bon, il veut devenir président, il veut faire plaisir à ultranationalistes, les fascistes, il fait plaisir à monde qui dit supérieur, blanc supérieur, pas oublier que les d'origine italienne. Donc, il y a un champ fasciste, Mussolini, dans son lit. Bon, aspect ça qui était très étonnant pour moi, c'est que monsieur Soumoun, que grand Meli, il était presque bal barrière pour entrer aux États-Unis. Donc, so, je ne dis pas, lui prend pause, lui pi blanc, passe blanc, qui pas fait sens. Parce que si que ou pas un indigenous people, ou pas un natif d'une tribu qui était aux États-Unis, c'est immigrant ou parce que mon vini. Oui, c'est mon vini ou parce que territoire là, l'homme était jeune, il était connu, c'est Columbus, Christopher Columbus qui a découvert les États-Unis. Mais est-ce qu'on a découvert un côté qui était déjà un peuple sous lui? Ça fait sens. So, c'était l'histoire ça que tu as raconté et que son lavage de ce volier. Parce que pas un peuple, il a raconté l'histoire par lui, il voulait pour montrer ça, il était parfait. C'est pas vrai, il n'y a pas de monde sur la terre qui n'a pas gagné un tort ou des faits de tort. Donc, son tendance pour ne pas excuser, son tendance pour ne pas reconnaître l'atrocité qui a été faite, et aux jeunes qui ont dit ça en Europe depuis près de 5 à 6 ans, au niveau du pape, dans le Vatican, le pape m'a dit excuse pour par rapport à l'atrocité que l'Église catholique était impliquée là-dedans, et surtout avec Christophe Colomb qui débarquait avec un Namel et Pompoua Namel. Et il vient de prendre un monde indien et mettre en esclavage. Oui. Donc, nous voyons que même au niveau du Canada récemment, il y a une excuse qui est faite, mais ici aux États-Unis, on a poussé audacieux très loin. Mando pour bannir pour pas ancien l'histoire pour les jeunes pas connaître ce qui s'est passé dans l'atrocité ici aux États-Unis. Mais pas oublier tout, il y a un aspect que le Barack Obama te prend pouvoir là, que te, peut-être un changement, une série de monde qui te cet obligé d'entrer dans le coquille. Et que, je ne dis pas, le Donald Trump vient paraître sous scène, il baille, s'ouvre, permission à monde
qui pas osé dans le passé pour te venir avec niveau fasciste là. Ce sont faut que c'est journée jodi a faut si pour peuple à camper, c'est pour le camper plus que jamais parce que sous pas fait li, c'est place ou bail pour monde qui pas t'a supposé sous monde nous quitter sous monde. Il n'est pas possible. Nadine, en nous, ouais, l'autre aspect, en plus de ça, l'aspect éducation que législature républicaine dans Natala si, mettez une nouvelle loi et, et raciste ça. Et puis aussi, paradoxal que ça puisse paraître, le gars est dans la chambre, la majorité de c'est d'origine immigrante. C'est immigrant, c'est petit immigrant, oui. C'est cubain, c'est haïtien américain, ils sont sortis au bon de notre côté. Donc, son melting pot de son reproduction de monde qui entre ici, monde fini. Et c'est même qui beaucoup plus radical par rapport à aussi les mesures. Donc, d'un coup, il y a des mesures qui posent l'immigration. Évidemment, il y a Alain Cosben, qui est un avocat, un militant qui parle pour faire explication sur ça. Nous avons élu haïtien américain, Dakoudoti Joseph, avec Marie-Paul Dousson qui a bien pour parler. Donc, qui a une approche communautaire, qui a une façon pour nous par rapport à M. Sayo, un comportement que nous devons gagner. Oui, bien sûr. Et Alain Cosben, moi, je connais, il était jeune avocat parce qu'il était parmi une amoune avec Gérard Jean-Jus qui était dans la lutte. Et qui toujours était dans la lutte là. Moi, je pensais que une bagarre qui c'est quand on disait communauté pour qu'on comprenne qui ça va passer, qui ça gagne là. Et que, pas oublier que, au niveau même économique, et mesures que je prends, ils commencent à montrer qu'il y a un désastre pour Floride. Floride, c'est le seul État qui a inflation il y a 9%. Tandis que tout l'autre 49 États, inflation au niveau de 2 et 3%. So, pas oublier que l'heure passée aux mesures anti-immigrants, ils ont dit sous pas gain papier, ou nous pas besoin. OK, well, qui est-ce qui peut faire travail ça yo? OK, qui mange, qui fraise, qui citron, qu'est-ce qui peut faire travail ça yo? Parce que pour jusqu'à nos jours, il montre que mon qui fait qui sont entre guillemets natif natal yo, yo dit yo qui a fait le travail dans le soleil, gars j'en soleil la red. OK? Même là où le soleil la red et que yo pas le travail, so yo ka commencé le matin et que yo quitté. So il faut que yo ouais que yo fait une série de mesures qui pas marché mais faut peuple là organiser li pour dire ça pas passer. Et comment pour peuple organiser li Nadine? Okay. Parce qu'il y a des leaders qui prennent engagement pour canaliser peuple là parce que communauté pratiquement à mof gon vide à des manifestations VOT fait là récemment tu gagne peut-être moins qu'une centaine de monde. Et est-ce que c'est un message qui va passer, c'est une connexion qui va faire? Est-ce que pas qu'il y a des gens qui prennent étoffe de Jean-Juste là pour remonter avec lui, pour créer une dynamique dans le théâtre? On a l'impression que le message va passer, les gens vont lancer. Bon, moi je pense que, faut que bon, par exemple, le qui en commencement, le peuple haïtien n'a pas de papier, c'est pas plus que dizaines de monde qui te connent chaque jour viennent vers yo et puis plus que on continue à bail message à même message là les viennent entrer les viennent faire un impact sur monde là. So pas garder que seulement OK veillot te fait c'est ça mais s'il continue à faire chaque jour peuple là parle vinn wali parce que journée jodia pas de ka monde qui pas de ka ouais le te mette loi que tu mettais, est-ce que bah esclavage là, il t'a pas dit laver ses voix, t'as pas le fait. So faut que nous continuions, même si journée aujourd'hui c'est deux mondes. Après la trois, la quatre, la dix jusqu'à ce que les vins font un grand impact parce que pas oublier que dès la lutte 4H là, d'habiter New York le bagage 4H là devini, vins descendre Floride, c'est dans al parler à Washington, c'est al faire voix moi. Gain place pour tout le monde, gain bagaille tout le monde qu'a fait. So, c'est ça, c'est pas c'est journée jodia, c'est continuer parler avec peuple là, continuer parler avec peuple là parce que si tout le monde qui met même message là, il y a wali. Prenez le cas de Barack Obama, là il a commencé te gueule dire nèg noir ça pas passer quand il pas passer. Et then qui ça te vient passer? Te vient con on la fièvre. Pas vrai parce que mon était venu ouais, l'impossible.
si c'est pour aider bon, ce week-end. Il y a le discours d'Obama, il y a Charisma Lee, qui a imposé surtout dans l'intervention de Fernand et la Convention démocrate. Là, après le Monterouin, il y a une étoile qui pourrait le filer. Maintenant, nous remarquons que ces jeunes leaders qui appartiennent à la relève là, ils n'ont pas tellement connecté avec le peuple. On a l'impression que message, ils n'ont pas parlé directement les appels qui fait. Bon, il y a deux aspects. Il y a un réseau social, surtout Facebook et tout, à bail des informations. Il y a ça, c'est une. Et que pas de gain ça dans le passé. Donc, il y a, si vous voulez, des gens qui sont extrêmement droits aux fascistes, ils mettent une série de désinformations. OK, so faut nous battre contre ça, faut nous toujours kembe à bail même message. C'est ça qui fait une et réunion qui va le faire pendant week-end ça qui va le venir. L'important est que plus monde qui va venir, plus monde qui va prononcer, pas oublier que communauté haïtienne pas arrêter seulement dans Miami, une grande communauté Orlando, Tampa, c'est là jeunesse là est parce que il y a pas qu'à acheter caille dans Miami, en dit vérité à côté de Jacksonville. So yo là yo tande parce que sur les réseaux sociaux moi suivre yo n'a parlé n'a dialogué so pas penser que l'a venir mais faut nous rester consistant sous message là voilà merci Nadine Holman on a rappelé au gagnant forum qui a fait dans Georgia Juste Community Center samedi après-midi c'est avec deux élus haïtiens américains Nathalie Assi Doty Joseph avec Marie-Paul Hudson et puis avec participation avec Esben qui a une bonne information sur nouvelle loi raciste qui anti-immigrant qui a voté dans le parlement haïtien et qui ratifié par le gouverneur Ron DeSantis. Merci pour votre participation, Nadine. Merci, Ampire. Merci. Je propose, nous allons parler sur la télévision de RNTV en hier. Voilà, bon retour, c'est Paris Santé-Nous avec ANB, c'est la vie. C'est moi qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans, Alain Tivandière, c'est docteur Alain Innocent, non segment prêt à risquer, qui va parler avec nous de Vertige. Et bonsoir Patrick, et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Et effectivement, et je pense que son débat qui est important parce que l'ICA est peut-être aidé à résoudre un peu la confusion que nous avons. Et par rapport avec ça, vraiment, que les vertiges et positionnels, parce que dans le cas, ça, on a parlé de monde qui a des vertiges de position. Parce que le mot vertige en lui-même, il veut dire que on va virer à toute bouline. Et des fois, le monde a dit que c'est lui-même qui a viré. Mais des fois, tout le monde a dit décrire sa sensation quand on que. Et disons que c'est la cabane ni bah l'arrivée et ça arrive moun assez souvent que gen vertige à l'heure après essayer lever saute la cabane ni et puis yo senti que cabane la viré à toute bouline c'est quand on la ouli c'est vraiment ça haïtien relé la ouli a donc je pense que si nous t'a décrit le contexte culturel pan avec tradition pan peut-être là où lien c'est ta meilleure description de ça relé vertige positionnel là parce que gien des autres sensations que moun gonn gien on compte des moun nan dio ah tête moins lourd même senti me bra tomber me senti mon jean drôle il pas nécessairement tomber dans même catégorie parce que ça son l'autre et débat complètement côté que effectivement quand on paquet l'autre bagaille qui rentre en jeu j'en t'a dit là une jeune fille qui est enceinte qui commence à gagner des hormones qui a joué des trucs avec l'oubli tension commence un petit gens à modifier des bagages comme ça donc ou gagne droit peut-être associer l'autre bagage mais là et on parler de vertige positionnel là le plus souvent c'est un monde qui était très bien monde n'a droit
a pleuvé sur tout cabane et puis il senti cadre calap chavirer avec toute bagarre virer toute bouline et puis il senti pour tomber souvent le vertige à sévère mon gagne doit gagne nausée il gagne doit gagne vomissement qui quand même mettre au plus près de et sort à parler tout à l'heure à côté mon quand même penser que c'est en cette lancette donc on y a en termes de et gens qu'on pral connaît le plus souvent c'est histoire là vraiment qui baille docteur a en vérité sous qui je oh, comment tu senti est-ce que c'est sous bord droit tout est l'autre a pleuvé est-ce que c'est sous bord gauche tête tout est souvent ou ka wè que gen ça nous relait latéralité lan et sensation côté que moun nan c'est pendant te sous bord droite li tête li c'est sous bord droite là puis la pleuvé et puis senti que sensation prend ou bien te sous bord gauche mais gen des fois moun nan konn gen difficulté pour dire Patrick est-ce que c'est sous bord droite est-ce que c'est sous bord gauche que bagal arrive le que le gen sensation vertige et souvent ça que n'a réalisé c'est que sensation ça pas duré plus que peut-être une quinzaine de secondes ou vingtaine de secondes mais sensation compte tellement fort que ou qu'on voit moun sa yo atterri l'hôpital yo pensait que son stroke y a fait yo pensait que son l'autre bagaille a fait et puis le docteur fin fait tout test que gen pour faire en pile fois yo fait CAT scan yo fait MRI yo fait en pile bagaille ça et puis yo compte trouver que c'est pas un stroke c'est pas rien l'autre c'est juste sensation de vertige positionnel ça. Maintenant comment faire face à un vertige est-ce que son mari a traité? Bon, et ça crive souvent et l'ça nous le vertige positionnel là c'est et l'ça relé oreille interne là mon nan gè des ti et particules que relé des canalites et c'est quand coup des ti pierre microscopique souvle c'est des ti wash que ou pas ka wè vraiment avec yeux ni un docteur pas ka wè avec yeux normal ou bien avec bagaille qu'on met en dans oreille parce que c'est pas en dedans oreille interne nan lan ti canaux et qui définit oreille interne qui yo même tout canaux ça yo c'est yo même qui permettre au monde une sensation de balance comment équilibre nous établi en pile fois c'est canaux ça yo qui permettre au une sensation est-ce que ou l'on plan vertical est-ce que ou l'on plan horizontal donc kounye le ti roche ça déplacer rapidement à cause en position et qui changer rapidement position tête qui changer rapidement et ben pendant mouvement ça a fait li voyer un signal ba cerveau et puis moun nan dit m pa konn kote mye et puis quoi vraiment perdu sens de balancier et puis je bon on moun gen droit si moun nan te camp et moun nan quand même saute tomber gen des fois li konn dangereux pour moun par exemple k'ap conduit moun n'ap conduit et puis brusquement le virer tête et puis ba la prend donc ça et gen des fois ou obligé faire bon en termes de diagnostic d'abord faut me dire que souvent docteur en dans office en cas rapidement fait on manœuvre que les dix alpike et avec manœuvre ça le ou mettez tête mon dans long angle de 45 degrés mon tête chita pour ou faire mon dans coucher rapidement automatiquement mon dans des sensations qui reproduit et puis ou cap garder yeux mon dans et pour yeux mon dans cap battre et rapidement donc le plus souvent pour un docteur ça c'est test et qui est parfait qui permettent qu'on diagnostique et vertige ça donc le ça on connaît que mon n'a pas besoin à l'hôpital il pas besoin d'en faire 4 scan à faire MRI pour on connaît que c'est ça que le gain qu'on est en termes de traitement gain on manœuvre de repositionnement de canalicule ça que nous fait et que nous fait dans office souvent qui c'est on manœuvre que les manœuvres des plis côté que ou fait mon descendre dans position ça qui reproduit et sensation vertigeant et pour virer tête mon dans l'autre position et puis rapidement ou non se ou passer mon de côté qui déclenche vertigeant à en position côté que vertigeant pratiquement résout depuis mouvement yeux résoudre le plus souvent une ou bien deux manœuvres ça et gain des fois obligé répéter une ou deux fois le plus souvent li résoudre vertige complètement et sans que mon n'a pas obligé à prendre médicament mais des fois obligé ba mon des on sait de médicaments que les médicaments vestibulaires et mon souvent entendre parler de méclizine mon cap voyager pral sous bateau et mon qui pral en croisière souvent yo konn prend antivert qui c'est même type de médicament qui ont tige stabilisé et mouvement vestibulaire donc des fois qui ca bay mon sou mais pas oublier que n'a parlé de on sensation Patrick qui dure peut-être 15 à 20 secondes qu'on a le temps pour mon ça prendre médicament ça pour le temps absorber médicament
pour médicaments pour commencer à faire effet. Vraisemblablement, médicaments pas tellement indispensables. Parce que ça, vraiment, qui est pour faire là, le plus souvent, c'est les manœuvres que nous sommes décrits. Mais il y a des gens qui quand même ont une variante qui est très sévère de vertige. Moun sa yo kon oblige al et wè de thérapistes et qui fait sa yo relé des exercices vestibulaires avec eux kon mete yo sou des plateformes qui a viré k'ap fait sa relé des oscillations et puis kon y a moun la kon résout problème vestibulaire sa yo que gagne donc souvent c'est ça seulement gagne pour fait pour traiter vertige d'ailleurs. Est-ce que grand limite d'âge, docteur Alain Innocent, pour moun commencer à sentir sensation de vertige? Pas vraiment. Souvent, moun kon imagine que c'est grand moun seulement qui gagne et vertige. Bon, peut-être que gon incidence qui ont tijan pi élevé et moun qui pi âgé. Mais kon gen des jeunes moun, et des fois kon wè des moun qui l'an vingtaine qui paraît sourd et puis qui dit ah. Yo pa fouti kembe tèt yo en place tellement yo gen vertige yo gen et gen des moun ki konn gen des variantes assez sévères. Donc li gen droit spread à travers des groupes d'âge qui très différents. C'est ça. Et comment ANB li même dans cadre prévention, dans cadre encourager passer en rete en bonne santé, sur le well-being, nou ka aide dans ça. Bon, et définitivement c'est des diagnostics que nous posons tout le temps et dans cadre travail que nous fait comme primary care et physician. Et puis nous fait et manœuvre ça que nous parlons de nous fait et souvent et pour des malades dans office et puis souvent mon nous joignent des résultats qui très satisfaisants parce que en général le docteur a qu'on fait manœuvre là et pourcentage de réussite est presque avoisiné 90% le diagnostic l'a bien posé. Voilà, donc tout détail sur qui s'acquiert les vertiges et comment nous même tout nous doué et comporter nous et si nous sentir justement nous gain de à l'aise pareil, c'était avec un docteur Alain Innocent et c'est là nous camper tout avec condition de Alain Tivion de Poissoya. Bonsoir, à bientôt.